sur l'esthétique de l'ouvrage. Donc, bon, c'est un critère qu'on a débattu, qui va être besoin aussi de vos appréciations. Nous avons mis 10 points, qui est l'aspect visuel, et comme c'est un critère assez subjectif, on a dit que c'est l'indicateur, c'est un bel aspect général, et puis des défauts de surface. Par exemple, si tous les essais sont conformes, mais malgré cela, on voit qu'il y a des nids d'abeilles dans le béton, où il y a des coffrages n'ont pas été très nets, il y a des petites déformations. Ça entache la beauté de l'ouvrage. Donc, si de façon générale, on dit que c'est un bel ouvrage, on a 10 points. S'il y a des défauts de surface significatifs, comme je dis, c'est très subjectif, c'est 0. On a la couleur rouge. D'abord, c'est une initiative du ministère de l'équipement et de l'entretien routier via l'AGEROUT qui, à terme, a besoin de connaître la performance des différentes entreprises qu'elle sollicite dans le cadre de la réalisation des différents travaux routiers. Nous avons une pléthore d'entreprises en Côte d'Ivoire qui part de la plus petite à la plus grande et nous avons différents types d'ouvrages qui sont réalisés. Allant des travaux neufs, au profilage nouveau et léger, aux travaux d'ouvrage. Donc, à une période donnée, il faut quand même qu'on puisse distinguer les différentes entreprises qui interviennent dans ce domaine-là. Donc, ça fait partie d'un objectif du PAGDS et le ministère, c'est une exigence pour le ministère aujourd'hui d'arriver à classer les entreprises. Mais vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas évaluer quelqu'un sans que la personne même participe à ces critères d'évaluation. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui ce séminaire-là, cet atelier a lieu, on définit les critères ensemble avec les entreprises et avec tous les acteurs du secteur. On a des critères qui sont consensuels, qui sont objectifs. Et à partir de là, on pourra les mettre en œuvre pour classer les entreprises. Quels pourraient être ces critères, par exemple? Les critères sont différents en fonction du type de travaux. Quand vous prenez, par exemple, les travaux neufs, il y a des tests, des essais qui sont réalisés à la fin des travaux, notamment des tests du nid pour voir la praticabilité de la route et également le respect des différentes structures de chaussée qui sont utilisées. Donc au niveau du reprofilage lourd, on verra si la vitesse a été sensiblement améliorée, on verra si les dégradations précoces sont enregistrées, s'il n'y a pas de nid de poule. Au niveau des travaux d'ouvrage, on verra si les finitions sont bien, si ce qui était prévu est réalisé effectivement. Donc il y a beaucoup de critères qui sont identifiés et c'est ce qui sera défini tout à l'heure. Donc à la fin, une entreprise, en fonction de la note qu'elle obtiendra, ne pourra pas discuter parce que ce seront des critères visibles et objectifs. Forcément, tout ce qui... C'est une bonne initiative, déjà que nous sommes en phase avec le ministère et l'AGEROUT. C'est un projet sur lequel nous avons travaillé ensemble. Et pour nous, dans le cadre de la définition des critères, vous devez aussi s'étendre aussi dans un processus sur le long terme, notamment qui devait conduire, en plus de définir ces critères-là, avec une approche qualitative et aussi quantitative, mais qui doivent prendre en compte aussi dans ces critères-là l'origine des différents financements auxquels sont soumis ces entreprises-là, de façon à ce qu'on ait quand même une définition équitable dans la démarche. Et aussi après, toujours dans ce processus, nous sommes dans un processus de labellisation, de certification de certaines entreprises de bâtiments et travaux publics. Donc nous nous inscrivons dans ce processus-là qui, à terme, pourra donc permettre de pouvoir avoir des entreprises du secteur du bâtiment et travaux publics beaucoup plus performantes et plus précisément dans le secteur routier. Comme on a dit, nous passons sur l'ensemble des secteurs, sur la digitalisation et l'amélioration de l'organisation des systèmes. Et donc la mise en place de la plateforme AGEROUT, comme on a dit tout cela, nous permet d'avoir une certaine transparence et d'information à tout moment sur tout ce qui est travaux, marché, achat de DAO, vérification, les travaux exécutés. Il y a même
l'aspect vert aux populations en disant que si vous passez sur une voie, vous voyez une dégradation pour prendre une photo géolocalisée, transmettre ça à la géologie qui va le recevoir et qui pourra aller donner une réponse à un traitement de cette dégradation. Et nous allons, à partir de la plateforme, vérifier la promptitude et la rapidité de la géologie à pouvoir résoudre les problèmes de dégradation. Toute cette plateforme nous permet non seulement aux opérateurs, aux directeurs de travaux, aux entreprises, aux autorités ivoiriennes, aux autorités internationales, de la Banque mondiale qui a mis la plateforme, qui suit ce secteur routier, le secteur en voie de voie qui a assez développé, qui permet donc d'avoir une certaine transparence. Son appui à ce projet d'agir. On va lancer cet outil. Et donc, les entreprises peuvent aller sur la plateforme pour nous avoir les travaux achetés et voir comment est-ce qu'on peut solutionner. Et l'autre aspect, c'est la classification. Parce que pour nous, les entreprises qui interviennent doivent être bien canalisées. Donc, pour qu'elles puissent intervenir de façon appropriée et produire des résultats probants. Donc c'est toute l'idée de cette plateforme qui est appuyée par la Banque mondiale qui a mis en place un financement à travers le mécanisme P4A qui est le paiement basé sur les résultats. Donc nous sommes pleinement satisfaits et je pense que cet outil permettra à terme de pouvoir substantiellement résoudre les problèmes que nous avons connus. Pour ce qui concerne le ministère de l'équipement, l'appui que nous avons eu, on parle de 18 millions de dollars et reparti par échéance de 6 millions de dollars par contre de résultats. Donc on a un projet qui court jusqu'à 3-4 ans. Et par atteinte de résultats, il y a des dégressions qui sont faites et tout ça c'est appuyé par la coordination du projet et agir. Au sorti de cet atelier, nous attendons vraiment que, parce que là c'est des experts qui sont réunis, donc nous attendons qu'on nous produise des critères vraiment pointus pour classer les entreprises. C'est qu'on a voulu que toutes les filières soient représentées. Donc on a le GIPTP, on a la CHAMI, on a les experts de la JO qui pénètrent du GIPTP, du fonds d'outils. Donc l'ensemble des acteurs quasiment représentés vont nous permettre d'avoir des critères de base pour pouvoir classer des entreprises. Parce que on veut développer des champions nationaux. Et ça, c'est la vision du ministre. On veut développer des champions nationaux. C'est pourquoi les programmes d'entretien ont été faits à fond par des PME locales. Donc c'est toute l'idée de ce qui est fait actuellement. Et nous pensons que le thème va arriver à terme de ces résultats. D'accord. Merci.